Le Japon aujourd'hui est le pays le plus vieux. Il a commencé à vivre au milieu des années 90. Aujourd'hui, c'est le pays le plus robotisé. C'est quoi le taux de chômage en fait au Japon aujourd'hui ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas cela, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut toujours que ça soit en fait au service, en réalité, des concitoyens. Il faut que ça soit au service de la société. Si la technologie est au service de la société, c'est un outil qui peut justement nous permettre d'adapter le monde tel qu'on le souhaite et en fonction de ses capacités. Parce qu'effectivement, dans un monde qui vieillit, et tout à l'heure, rappelez-vous les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, dans un monde qui vieillit, nous en aurons besoin parce que nous ne serons pas en mesure en fait de faire le même boulot qu'il y a.